Dans les moments que je vois des arbres comme ça, qu'il y a de branches qui sont au-dessus du chemin, ça me rappelle l'histoire de Zacchée. Il a monté l'arbre pour voir Jésus comme il marche, parce qu'il était vraiment petit, et Zacchée, de cette façon, il a surmonté la multitude et il a pu voir. Et Jésus l'a dit, il faut que tu descendes, je dois aller avec toi chez toi. Ça a été étonnant, les gens ont été étonnés, parce que Zacchée a été vraiment riche, et les gens, l'histoire disent, il a été corrompu, il a accepté de l'argent qu'il n'a dû pas accepter. Et je me posais la question, si Jésus a accepté Zacchée, qui sont nous pour juger qui a le droit à recevoir l'évangile ou pas? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas donner l'évangile, partager l'évangile avec les politiciens ou des autres qui sont riches ou peut-être corrompus? Alors je te pose ces questions pour réfléchir aujourd'hui.